Dans mon cours Espadon, je souhaite rajouter une activité qui sera faite en groupe. Je vais rajouter un forum, par exemple. Voilà, je vais l'appeler forum de l'activité 1. Et je souhaite que les étudiants travaillent en groupe au sein de ce forum. Je vais aller dans Réglages courants. Et dans Réglages courants, j'ai un mode de groupe. Vous voyez que là, j'ai trois choix, groupe séparé, groupe visible. Aucun groupe, tous les étudiants vont travailler dans le même forum. Groupe séparé, les étudiants du groupe A vont travailler dans leur forum et les étudiants du groupe B vont travailler dans leur forum et ils n'auront aucune visibilité sur ce qui se passe dans le groupe auquel ils n'appartiennent pas. Groupe visible, les étudiants du groupe A vont travailler dans le forum A, les étudiants du groupe B vont travailler dans le forum B. Ils pourront voir ce qui se passe dans le forum du groupe auquel ils n'appartiennent pas, mais ils ne pourront pas intervenir. La difficulté, vous voyez, quand je vais créer mon activité, je vois ici que c'est des groupes visibles. J'ai tous les groupes que j'ai créés dans ce cours. Or, certains participants appartiennent à plusieurs groupes et cela va semer énormément de confusion pour Espadon qui ne saura pas si le participant A appartient au groupe 1, A de l'activité C. Enfin, vous voyez, ça va poser un problème d'identification. Pour cela, il va falloir créer des groupements. Les groupements, c'est un ensemble de groupes.